Bonjour tout le monde, ravi de vous rencontrer, de vous contacter et de communiquer encore une nouvelle fois. Et je tiens tout d'abord à remercier chaleureusement mes amis, mes collègues qui ont eu l'amabilité de m'avoir fait bénéficier de leur temps et de leurs conseils qui m'ont toujours été une aide précieuse. Encore une mention toute particulière d'admiration et d'un grand respect, que ce soit aux abonnés actuels ou aux abonnés futurs, qui m'ont offert l'occasion de partager des connaissances, des sciences, et qui ont fait toujours preuve de compréhension, d'écoute, de conseil. Ben, je vais entamer la science en ce qui concerne l'accès et l'étude aux filières des établissements de l'Office professionnel de la promotion de l'emploi, et précisément, on va parler de la filière plâtrier. Donc, j'y viens, on va parler sur plâtrier, plaquiste. Oui, c'est plâtrier, plaquiste. Un plâtrier, plaquiste, qui quelqu'un qui édifie des cloisons de doublage, de distribution en plaques de plâtre ou en cloisons préfabriquées. Donc, un plâtrier plaquiste édifie des cloisons de doublage et de distribution en plaques de plâtre ou en cloisons préfabriquées. Il réalise aussi également la pose d'éléments de plafond sur ossature apparente au nom ainsi que des corniches ou autres motifs décoratifs préfabriqués. Il participe aussi à l'isolation phonique et thermique des locaux et réalise les finitions tels le traitement, les joints, et bien sûr, l'accès à cette filière exige des conditions d'admission telles que l'âge limite de 18 ans et plus, un niveau scolaire minimum requis en troisième année, niveau scolaire minimum, niveau scolaire, pardon, un niveau scolaire minimum requis troisième année de l'enseignement collégial et plus, et encore un dossier d'orientation à remplir et test technique de sélection complète par d'éventuels entretiens. Encore, après la formation, et donc à l'issue de la formation, le lauréat devient et sera plutôt sera en mesure d'exécuter les activités comme réaliser une cloison en carreau de plâtre ou encore enduire un mur au plâtre, poser une cloison distributive en plaque briquée ou encore poser une contre-cloison en plaque brique métal. Habiller une mur en plaque briquée, réaliser un plafond en plaque briquée ou encore poser un plafond décoratif, démontable, construire une cloison courbe en plaque briquée. Donc, tout ceci sera produit par, ou plutôt sera traité par le plâtrier plaquiste. En ce qui concerne la formation, le programme est étalé sur 625 heures
est répartie comme suit. Des modules, santé et sécurité dans le chantier, la performance de feu en aquatique, une présentation de produits, ou encore un calcul professionnel, une réalisation des plafonds, pose d'une, que ce soit une cloison ou une contre-cloison en plaque briquée. Et le système briqué de doublage, aussi une réalisation d'un cloison en carreau de plâtre, construction d'une cloison courbe en plaque briquée, et aussi un enduit d'un mur en plâtre. Une pose d'un plafond décoratif démontable. Et en fin de la formation, il aura un stage à l'entreprise. Un stage en entreprise. Reste à savoir qu'il est la liste des établissements de l'Office professionnel de la promotion de l'emploi qui offre ce genre de filière, désormais se trouve seul à Canada. Donc, à Canada. Donc, nous arrivons à la fin de la séance. Merci encore une fois de votre encouragement, de votre soutien, de votre suivi. Et je recommande tout le monde de participer collectivement à la chaîne YouTube Tirage de Japon. Sans hésitation, nous aurons des nouvelles et des nouveaux. Et je vous remercie encore une fois. À bientôt. Merci. Au revoir.